Je viens de recevoir le dossier complet comprenant l'acte d'accusation. J'aimerais qu'on revoie tout ça ensemble. Alors, vous étiez brouillé avec votre frère Bernard Vazal depuis des années. Vous avez eu des problèmes d'argent, il vous a aidé plusieurs fois, mais il disait de vous que vous étiez un raté et ne voulait rien avoir à faire avec vous. Et le 23 novembre dernier, vous avez décidé d'aller lui rendre visite dans sa villa. Vous veniez de nouveau lui demander de l'argent, car vous aviez encore de gros problèmes financiers. Combien vous vouliez lui demander exactement ? 200 000 marks. Ça m'aurait permis d'éponger mes dettes. Lui, ça ne lui coûtait qu'une signature. Même avec 100 000 marks, j'aurais pu me sortir d'affaires. Il est inscrit sur votre dossier que vous êtes arrivé chez lui à 18 heures. Vous l'aviez prévenu ? Si j'avais eu le malheur de le prévenir, il ne m'aurait même pas ouvert la porte. C'est donc la femme de ménage, Madame Hertz, qui vous a ouvert ? Oui. Si j'en crois le dossier d'instruction, elle a quitté la villa vers 18h30. Je ne sais plus. En tout cas, je ne l'ai jamais revue. Est-il vrai que vous êtes resté avec votre frère jusqu'à 21h ? Oui. J'avais apporté tous les documents avec moi. Je lui ai expliqué en détail la situation dans laquelle j'étais. Et il vous a écouté sans vous interrompre ? Oui, il m'a écouté, mais en prenant ses grands airs. Il n'a pas dit un mot. Et comment ça s'est terminé ? Rien du tout. Pas un sou. Et après ? Après, je me suis énervé. Il n'avait pas le droit de me traiter comme un moins que rien. Je ne sais plus très bien ce que je lui ai dit, mais ça ne devait pas être joli à entendre. Vous en êtes venu aux mains ? Vous êtes mon avocat, vous êtes là pour me défendre. Monsieur Vazal, on vous posera ce genre de questions à votre procès. Vous devrez y répondre le plus calmement possible. J'essaierai. Et votre frère, a-t-il essayé de vous frapper ? Il a continué à sourire. Ensuite ? Je lui ai seulement dit, tu oublies que nous sommes frères, ça ne représente rien pour toi. Pourquoi tu me traites comme ça ? Vous savez ce qu'il a dit ? J'ai honte d'être ton frère. Alors je me suis levé, je l'ai regardé droit dans les yeux et puis je suis parti. Je savais bien que si je restais, ça se terminerait mal. Est-ce que vous avez bu au cours de votre entretien ? Vous recommencez ? Qu'est-ce que ça peut vous faire, enfin ? Croyez-moi, je vous donne ma parole, je n'ai pas bu et je n'ai pas frappé ! Rien ! Il ne m'a rien donné ! Monsieur Vazal, calmez-vous, je vous en prie. Matula, 14 rue Schlichter. Ça va mieux, je vous remercie de m'avoir attendu. Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas grave. Ils ont été obligés de me faire une piqûre pour me calmer. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est efficace. C'est bon, vous pouvez continuer. Bien, alors, si j'en crois le dossier, le lendemain matin, la police est venue chez vous pour vous interroger et on vous a dit que votre frère avait été assassiné chez lui la veille au soir à peu près entre 21h et 22h. Oui, je ne voulais pas y croire. Ensuite, on vous a interrogé au sujet de l'arme que vous possédiez pour laquelle vous aviez un permis. Oui. Je la rangeais toujours dans la boîte à gants de ma voiture. Mais quand le policier qui m'accompagnait a regardé, elle n'était plus dedans. C'est là que tout a commencé. Quand avez-vous vu votre arme dans la boîte à gants pour la dernière fois ? Trois ou quatre jours avant le...
avant le meurtre. L'accusation affirme que l'arme avec laquelle votre frère a été assassiné est du même calibre que la vôtre. Si la police le dit, c'est que c'est vrai. Ils ont dû vérifier. Il est écrit ici que vous êtes allé chez votre frère avec la voiture dans laquelle votre arme était rangée. Mais évidemment, je n'en ai pas d'autre. Vous l'aviez fermée à clé ? Non. Je vous ai déjà dit que mon frère habitait dans une villa. J'avais largement la place de me garer devant. Et comme le portail de devant est toujours fermé à clé, je me suis dit que ce n'était pas la peine que je ferme ma voiture. Mmh. Votre frère vivait seul ? Oui. À part la femme de ménage, vous avez vu quelqu'un d'autre quand vous êtes venu lui rendre visite ? Oui, j'ai bien entendu une voiture, mais la police ne m'a pas cru. Ça va être difficile. Je sais pas trop par où commencer. Il faudrait déjà que je comprenne. Vous savez jouer au billard ? Oui. Alors prenez une queue. Merci. Je suis étudiant en gestion. C'est comme ça que j'ai rencontré Catherine il y a 2 ans. Elle est en anglais. On s'est installés ensemble assez rapidement. C'était le grand amour, comme on dit. On ne se disputait jamais. Enfin, presque jamais. Non, jamais. Et puis, il y a 2 semaines, elle a disparu. Du jour au lendemain, comme ça. Avant de partir, elle m'a laissé ça. Je m'en vais, surtout n'essaie pas de me retrouver. C'était bien avec toi, mais aujourd'hui, c'est fini. Il y a un autre homme ? J'y ai tout de suite pensé, mais j'aurais remarqué quelque chose. Franchement, je pense pas. Tout allait bien alors, pas une dispute. Il ne s'est rien passé de particulier dans la vie de Catherine ? Son père a été arrêté il y a 3 semaines. Il est accusé d'avoir tué son frère, Bernard Vazal. C'est l'oncle de Catherine. Mais elle a pris la chose calmement. Elle est persuadée que son père est innocent et qu'au cours du procès, ce sera prouvé. Votre ami s'appelle Vazal, Catherine Vazal. Oui. Pourquoi vous êtes venu me trouver, je peux savoir ? Pour que vous retrouviez Catherine. Non, je veux dire, pourquoi vous m'avez choisi, moi, des détectives ? Il y en a plein dans cette ville. J'ai regardé dans l'annuaire, vous n'étiez pas loin, j'habite juste au coin. Vous pensez que la disparition de Catherine a un rapport avec l'accusation de meurtre de son père ? Je sais pas. Asseyez-vous. Vous croyez qu'elle aurait disparu ? Qu'elle aurait décidé de m'en quitter sans raison ? J'imagine que vous avez mené votre enquête. Elle n'est pas retournée à la fac. Et elle n'a pas non plus donné signe de vie chez elle. Enfin, chez sa mère. Vous êtes allé voir la police ? Elle est partie de son plein gré, c'est écrit sur la lettre. Et où est-ce que je dois chercher ? Aucune idée. Ça, c'est à vous de décider. Je me suis fait de l'argent en vendant ma voiture. Combien ça va me coûter ? Vous n'avez qu'à me donner 1000 marks. Pour le reste, ça dépendra de la durée de mon enquête. Mais si je vois que je suis dans l'impasse, je vous le dirai tout de suite. Il me faudrait votre adresse et votre numéro de téléphone. Peter Schroeder, 24 rue Claudin. Votre téléphone ? 69 22 44. Vous avez une photo de Catherine ? Ah oui, je vous donne ça. Bien. Vous voulez la lettre ? Oui. Et les photos. Merci. Bonjour. Vous êtes bien Madame Vazal ? Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que je pourrais vous parler ? Me parler de quoi ? De votre fille. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Je peux entrer ? Oui, bien sûr. Merci. Vous savez sans doute que votre fille a disparu. Disparu, le mot est peut-être un peu fort.
Un jeune homme, Peter, je ne sais plus quoi, m'a dit qu'il la cherchait aussi. Je vous en prie, asseyez-vous. De là à dire qu'elle a disparu. Mais j'y pense, vous ne m'avez pas dit qui vous êtes. Je m'appelle Matula, je suis détective privé. On m'a demandé de retrouver votre fille. Puis-je savoir qui vous a chargé de ça? Peter Schroeder. Je ne sais pas combien il vous a donné, et ça ne me regarde pas, d'ailleurs. Mais si je peux me permettre de donner un avis, vous dramatisez la situation. Je connais bien ma fille, elle a dû se disputer avec son ami, non. Ça arrive souvent. Ou bien elle désire se séparer de lui, et comme elle ne veut pas qu'il la retrouve, et qu'elle ne veut pas qu'il lui fasse une scène, elle préfère se cacher quelque temps. Vous en êtes sûr ou vous le supposez? Je connais bien Catherine, ça n'est pas un exemple de stabilité. Est-ce que c'est bien son écriture? Ça fait longtemps que je n'ai pas lu de lettre d'elle. Oui, ça se peut. Et vous ne savez pas où elle a pu aller? Non. De toute façon, elle a été très claire dans sa lettre. Elle ne veut pas qu'on la retrouve. Il ne semble pas avoir compris. La preuve, c'est qu'il vous a engagé. Il est amoureux d'elle. Oui. Et vous vous faites de l'argent sur des jeunes qui ont des petites peines de cœur. Tenez. Vous avez encore des questions à me poser? Croyez-vous que la disparition de Catherine ait un rapport avec le fait que votre mari soit accusé de meurtre? Mon mari est innocent. Ma fille le sait parfaitement, d'ailleurs. Vous en avez parlé avec elle? Ça n'a pas été nécessaire. Nous en sommes convaincus, toutes les deux. Bien, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Si jamais vous entrez en contact avec elle, prévenez-moi. Vous aussi, bien sûr. Comptez sur moi. Je connais le chemin. C'est toi qui défends Art Fazal? Oui. Quelqu'un m'a chargé de retrouver sa fille, Catherine, pas plus tard qu'aujourd'hui. Alors ça, c'est drôle. Mais pourquoi toi? Mon client m'a dit que c'était parce que j'habite à côté de chez lui, voilà. Il s'appelle comment, ton client? Peter Schroeder, c'est son petit ami. Il a quelque chose à voir avec le meurtre? C'est la première fois que j'entends ce nom. Voilà, t'es tout beau. Je me demande si c'est vraiment par coïncidence qu'on soit sur la même affaire. C'est vrai. Ce n'était jamais arrivé. Par où tu vas commencer? Qu'une idée. Je viens de chez sa mère et elle a été incapable de me dire où elle était. Eh bien, moi, elle est venue me voir, Catherine Fazal. Quand? Il y a une semaine. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Savoir quelles étaient les chances de son père. Et alors? Eh bien, je lui ai dit de revenir me voir quand j'aurai l'acte d'accusation. Et tu penses qu'elle va te téléphoner? J'en suis même sûr. Tu pourrais lui dire de venir ici? Comme ça, ta mission sera remplie. Exactement. Manus manum lavat. Comment? Un service en vaut un autre. Et ce serait quoi, ce service? Bonjour. Vous êtes sur une propriété privée? Oui, je me demandais comment on allait faire pour passer. On ne voudrait pas abîmer votre jardin. Ah oui, je travaille pour la télévision par câble. C'est moi qui dirige les travaux. Nous devons passer le câble sous terre. C'est bien la propriété de Bernard Fazal. Oui. On lui a envoyé un courrier pour le prévenir et il a dit qu'il était d'accord. Monsieur Fazal est mort. Oui, j'ai vu ça. C'est affreux. Tué par son frère. Ça a dû être terrible pour vous. Je vous présente toutes mes condoléances. Je ne suis que la gouvernante. Veuillez accepter quand même toutes mes condoléances. Merci. Vous permettez que j'entre? Oui, bien sûr. Je vais chercher les plans et je reviens.
Je suppose que le téléviseur doit rester là. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres postes dans la maison? Oui, dans ma chambre. Et il y a une autre prise dans l'ancienne chambre de son fils. Mais vous habitez ici? Non, non, j'ai un appartement. Mais Monsieur Vazal m'a quand même aménagé une chambre. Je peux aller voir les prises dans les autres pièces? J'avoue que ça m'ennuie un peu. Je ne suis pas chez moi et je ne peux prendre aucune décision. Vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. C'est qui le propriétaire aujourd'hui? Je n'en ai aucune idée. Je sais qu'il avait déshérité son fils. Il doit sûrement y avoir un testament, mais je ne sais pas ce qu'il renferme. Ouais, je vois. Vous pensez qu'il est inutile de câbler la maison, alors? Je ne sais pas, je vous dis. Ça n'a plus d'importance. Il a été tué ici? Dans cette pièce? Là. C'est là que j'ai découvert le corps. Il y a encore du sang sur le tapis. Je n'arrive pas à le faire partir. Entrez, je vous en prie. Bonjour, Madame Hertz. Bonjour, Kurt. Ce monsieur travaille pour la télévision par câble. Il est venu pour câbler toute la villa à partir des anciennes prises qui existent déjà. Votre père avait donné son accord et monsieur... Matula. Monsieur Matula voudrait savoir s'il doit remettre les prises là où elles étaient. Il n'y a pas de raison de changer. Je vous laisse vous occuper de ça. Je n'ai pas le temps. Tenez, regardez celui-là. C'est le Feininger dont je vous ai parlé hier. Celui-ci, c'est un Van Alst. Et celui-là, un des tout premiers Kandinsky. Voici ma chambre. La prise d'antenne est là-bas, derrière. Ah oui. Ah, votre fils? Non, c'est mon neveu. Pour quelqu'un qui a été déshérité, le fils Vazal a l'air de prendre beaucoup de décisions concernant cette maison. Il n'est pas totalement déshérité. Une part lui revient de droit. Et sans indiscrétion, qu'est-ce qu'il a fait pour se brouiller avec son père? Kurt a imité plusieurs fois sa signature. Oh. Sur des chèques. Et là, il brade des objets qui ne lui appartiennent pas. Il a déjà vendu 2 tableaux et une horloge de collection. Mais Monsieur Vazal, il vous a peut-être légué quelque chose. C'est possible, ça, non? Je ne sais pas, mais si Kurt a été trop gourmand, il devra tout restituer. J'ai fait une liste de tout ce qu'il y a. Je ne vais pas me laisser faire. Pour l'instant, je ne dis rien. Mais si je m'aperçois qu'il veut vider cette maison, ça se réglera devant les tribunaux. La prise est ici. Quand il a déménagé, il a emporté le téléviseur. Et c'était quand, ça? Il y a 2 ans. Et comme ça, depuis 2 ans, il n'est jamais revenu ici? Si. De temps en temps, il passait prendre des affaires dans sa chambre. Il entrait par derrière. Il n'avait pas le droit de venir au sein de la maison dans les pièces que son père occupait. Oui, bien sûr. Voilà, on en voit le bout. Je dois vérifier quelque chose dehors et j'ai fini. Par ici. Ah oui, j'ai entendu parler d'une certaine Catherine Vazal. Est-ce qu'elle a un lien de parenté avec la famille Vazal? C'est la nièce de Bernard Vazal. Ah. Ou plus exactement, la fille de Arndt Vazal. Vous voulez dire la fille de l'assassin? Oh non, ce n'est pas à moi de dire qui a tué Monsieur Vazal. Il y a des tribunaux pour ça. Moi, je ne sais pas du tout qui l'a tué. Tout ce que je sais, c'est que dès que son frère est arrivé ici, ils se sont disputés et moi, je suis partie. Vous dites que vous connaissez Catherine? Vous la connaissez bien? Oui, enfin, comme ça, quoi. Elle est très gentille. Ah oui, elle a l'air, en tout cas. Je suis presque sûre qu'elle sentait que quelque chose allait se passer entre son père et son oncle. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Elle est venue ici à midi, le jour même du meurtre. Vous voulez dire qu'elle est venue avant l'arrivée de son père? Oui, elle est restée avec son oncle pendant une bonne heure. Elle a dû lui annoncer qu'il aurait de la visite le soir. Et elle est repartie ensuite? Oui, à 2h30. Et comment est-ce qu'elle est repartie? En voiture? Oui.
Ben, je savais pas qu'elle conduisait. Oh, c'est son petit ami qui était au volant. Asseyez-vous. Merci. Vous le connaissez, lui? Non. Il est entré avec elle? Non, il attendait dans la voiture. Vous avez dit à la police que Catherine était venue ici? Non. Je ne voulais pas mêler la petite à cette histoire. Je me demande pourquoi je vous raconte tout ça, à votre avis? Parce que je suis un ami de Catherine. Vous ne seriez pas de la police par hasard, monsieur Matula? Non, je ne suis pas de la police. Je pose des câbles. Au revoir, madame Hertz. Au revoir. Au fait, vous ne m'avez pas dit quand vous alliez revenir? Dans 2 ou 3 jours. Mais on vous préviendra. Par moments, elle me faisait l'impression d'être complètement naïve. Et puis après, je voyais bien qu'elle ne croyait pas une seconde que je venais pour poser des câbles. Mais quand on a parlé argent, alors elle s'est énervée et elle a dit que ça irait jusqu'au procès. Et elle était femme de ménage ou un peu plus que ça? À mon avis, tout est possible. Et tu ne connais pas la meilleure? Mon client, Peter Schroeder, n'est autre que son neveu. Or, quand Catherine est venue voir son oncle, c'était avec un ami en voiture. Alors, de deux choses une, ou bien c'était Peter, ou alors c'était un autre. Madame Hertz m'a dit qu'elle ne le connaissait pas. Allô? Matula, une simple question. Est-ce que vous êtes allé avec Catherine chez son oncle, en voiture, le 23 novembre? C'est-à-dire le jour où il a été assassiné? Oui, l'après-midi. Ah, je vous remercie beaucoup. Apparemment, ça tourne autour de Catherine. Elle est donc allée chez son oncle le jour du meurtre. Mais pas à l'heure du meurtre. Ah, c'est ce que dit Madame Hertz. Et elle dit ne pas avoir vu son neveu. Demain, je devrais savoir ce qu'elle a dans la tête, cette Catherine. Comment ça? Pourquoi demain? Elle vient me voir à mon bureau à 10h. Oh, mais rassure-toi, je t'aurais prévenu. Quelles sont les chances de mon père? Je vous demanderai d'être franc avec moi. On dirait que vous êtes convaincu que je sais quelque chose et que je suis bien décidé à vous le cacher. Mais vous vous trompez. Et je sais encore moins comment ça se passera à son procès. Mais vous avez lu l'acte d'accusation. Vous devez avoir des arguments pour le défendre. Pour l'instant, je n'en ai pas trouvé. Vous savez comme moi qu'il n'y a pas de témoin, alors je ne sais pas si le juge sera disposé à croire qu'une autre personne était présente quand votre oncle a été tué. Et surtout, si c'est cette personne-là qui a commis le meurtre. Je le crois. Est-ce que vous pouvez me dire qui, en dehors de votre père et de la femme de ménage, est restée à la villa le jour du meurtre jusqu'à 18h30? La femme de ménage est peut-être partie plus tard. Peut-être. Mais pour quelle raison aurait-elle assassiné votre oncle? Vous en voyez une, vous? Non. Je crois même qu'ils s'entendaient bien tous les deux. Au point d'avoir eu une liaison avec lui? Je ne sais pas, mais à mon avis, non. Vous voyez, c'est ça le problème. Pour l'instant, nous n'avons pas d'autres suspects. Mais quelle raison mon père pouvait-il avoir de le tuer? Il était venu pour lui demander de l'argent, d'accord, mais le fait de le tuer, ça ne lui rendait pas service. Le juge peut très bien dire qu'il a agi sous le coup de l'émotion, qu'il voulait mettre fin à une rivalité qui remontait à l'enfance. Et l'arme du crime? On a dit n'importe quoi là-dessus. Comment peut-on dire que c'est avec le pistolet de mon père que mon oncle a été tué? La police n'a pas retrouvé l'arme du crime. Le laboratoire a conclu que c'était une arme du même calibre. Et alors, on en fabrique des milliers d'armes du même calibre, ça ne veut rien dire du tout. Oui, c'est vrai. Et vous pouvez compter sur moi, je ne manquerai pas de le rappeler au juge lors des débats. Alors, vous croyez qu'il n'a aucune chance? Oh. Dans un procès où le dossier de l'accusation ne repose que sur des indices, même convaincants, la peur d'envoyer un innocent en prison l'emporte souvent, Dieu merci. Dites-moi comment je peux aider mon père. En me donnant le nom d'une personne qui se trouvait dans la villa à l'heure du crime, ou même le jour du crime.
Non, je ne vois personne. En ce moment, Catherine Vazal occupe un appartement au 45 rue Aldolide, au 19e étage. Il est au nom de Fleischmann. Elle a une clé de cet appartement, donc on peut penser qu'elle y habite. Comment avez-vous fait pour trouver si vite?
Mes honoraires se montent à 400 marks par jour. Je ne compte pas les frais de bus ni de taxi. Je dois donc vous rendre 200 marks. C'est qui ce Fleischmann? Et qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Ce que vous m'avez demandé, c'est de la retrouver. Pas pourquoi elle habite chez lui. Mais si vous tenez à le savoir, je peux me renseigner là-dessus. Non, non, c'est pas la peine. Je sais où elle est, ça me suffit. C'est quoi l'adresse déjà? 45 rue Aldolide. Je vais vous écrire ça. Merci. 19e étage. Je peux vous poser une question? Oui. Vous saviez que Maître Franck était un de mes amis quand vous êtes venu me trouver? Maître Franck? Je ne le connais pas. Pourquoi vous me dites ça? Maître Franck est l'avocat du père de Catherine. Ah. Et vous êtes son ami, vous dites? Ouais. Et moi aussi, j'ai une question. Allez-y. Pourquoi vous m'avez demandé si j'avais emmené Catherine chez son oncle le 23? Parce que votre tante ne vous a pas reconnu. Mais elle peut pas dire ça, je lui ai parlé. Ah? Vous êtes entré dans la maison? Je suis monté dans sa chambre, oui. Merci. Bonjour. Là, c'est Eva Vazal à l'appareil. Je sais que vous êtes sur la piste de ma fille. Au cas où vous l'auriez retrouvée, ou si vous la retrouviez dans les prochains jours, je voudrais que vous lui fassiez une commission. C'est important. J'ai une lettre pour elle. Elle doit venir la chercher. C'est une convocation officielle. Je vous remercie. J'ai reçu 3 convocations le même jour pour l'ouverture du testament de mon beau-frère. Il y en a une pour mon mari, une pour Catherine et une pour moi. Est-ce que vous savez où est ma fille? Oui. Je peux me charger de lui remettre la lettre, si vous voulez. Je ne sais pas. Est-ce que je peux vous faire confiance? Oui, à 100%. Très bien. Où est Catherine? Elle habite au 45 rue Aldolide. Vous avez son numéro de téléphone? Eh non. Alors dites-lui qu'elle doit à tout prix m'appeler. Sinon, je la verrai pour l'ouverture du testament. Entendu, je lui dirai. Qu'est-ce que je fais de la convocation pour mon mari? Il ne peut pas venir, il est en détention préventive. Vous devez l'envoyer à son avocat. Ah oui, bien sûr. Vous croyez qu'il peut le représenter? C'est à lui qu'il faut demander ça. Oui. Oui, vous avez raison, je vais l'appeler. 56 30 80, c'est à son cabinet. Au revoir. Arrête. Mais j'ai quand même le droit de savoir ce qui s'est passé. Arrête, tu me fais mal. Parce que tu crois que j'ai pas mal, moi? Ne dis rien. Promets-moi de te taire et de t'en aller après. Bonjour, mademoiselle Vazal. Qu'est-ce que vous voulez? Je peux entrer? Non. J'ai une lettre pour vous, une convocation. Vous devez m'en accuser réception. Très bien. Où est-ce que je dois signer? Sur l'enveloppe, ça me suffira. Et voilà. Merci. Au revoir. Au revoir.
Monsieur Matula, qu'est-ce que c'était que cette lettre? Elle est convoquée pour l'ouverture du testament de son oncle. Et comment vous l'avez eue? Par sa mère. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Rien du tout. Dites plutôt que vous n'avez pas envie de me le dire. Non, elle ne m'a rien dit. Elle a quelqu'un d'autre? Non, elle n'a personne d'autre. Elle vous a dit quelque chose, alors? Je sous-signé Bernard Vazal, en possession de toutes mes facultés mentales, déclare faire part de mes dernières volontés. À mon grand regret, mon fils Kurt Vazal recevra la part d'héritage prévue par la loi de ce pays. Je ne peux pas empêcher cela, et croyez bien que je le déplore. Madame Martha Hertz se verra remettre 50 000 marques immédiatement, et il lui sera alloué une pension mensuelle de 2 000 marques, payable jusqu'à son décès par l'héritier principal. Cette somme sera révisable tous les ans. Et pour la remercier de m'avoir supporté pendant toutes ces années, je lui lègue les deux toiles de Van Hals, Chaleur du soir et Incendie. À mon frère Arndt Vazal, Monsieur Vazal est représenté par Maître Franck, je lègue la crasse que j'ai sous les ongles. Je fais de ma nièce mon héritière principale. Catherine recevra l'argent que j'ai sur mes comptes en Allemagne et en Suisse, ainsi que ma propriété de Francfort, située au 12 chemin Gerber, et tous les meubles et objets qu'elle renferme. J'interdis formellement à Catherine de venir en aide à son père, en puisant dans la fortune que je lui lègue. Au cas où Catherine ne se plierait pas à cette condition, la totalité de l'héritage reviendrait à Madame Hertz. Fait à Francfort le 7 mai de cette année. C'est signé Bernard Heinrich Vazal. Au revoir, maître. Au revoir. Je suis contente pour toi, ma fille. Au revoir, madame. Tu veux que je te dépose quelque part? Non, merci, j'ai des choses à faire. Je ne vous ai pas dit au revoir? Oh, au revoir, maître. Au revoir. Vous pouvez faire entrer Monsieur Matula. Dès que le rapport est là, je vous préviens, comptez sur moi. Merci. Au revoir et bonjour à votre femme. Je n'y manquerai pas. Rainer, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Moi, j'ai deux nouvelles à t'annoncer. À toi l'honneur. Catherine Vazal et Kurt Vazal sont ensemble. Oh, tu m'as volé ma nouvelle. Oh. Ils vivent ensemble dans l'appartement de la rue Aldolide. Le propriétaire, Fleischmann, est un grand ami de Kurt Vazal. En ce moment, il est aux États-Unis. Deuxième nouvelle, Catherine est l'héritière de Bernard Vazal. Alors ça, c'est incroyable. Elle va toucher le magot qui devait revenir à Kurt. Pourquoi ça devait lui revenir? Il était fils unique, il devait s'attendre à toucher quelque chose. Ah oui. En tout cas, il a peut-être été déshérité, mais il sort avec sa cousine et elle, elle a touché le gros lot. Mais pourquoi se cachent-ils? Tu crois qu'ils auraient pu tuer Vazal tous les deux? Au moment où le meurtre a eu lieu, Catherine était avec Schröder. Elle l'a quitté beaucoup plus tard. Tu crois que Schröder peut être l'assassin? Oui, il aurait tué pour que sa fiancée touche l'héritage. Comment pouvait-il savoir pour le testament? Par Madame Hertz, sa tante. Et Catherine l'aurait quitté après avoir appris ce qu'il avait fait. Mmh. Oui, elle a peut-être peur de lui et elle se cache. Pourquoi ne va-t-elle pas voir la police?
parce que c'est elle qui l'a poussé à faire ça. Elle est mignonne, hein? Oui. Est-ce que vous pourriez me dire où vous étiez exactement le 23 novembre au soir? J'étais au cinéma. Avec Catherine? Non, tout seul. Pourquoi vous me demandez ça? Claude Vazal, vous connaissez? Vaguement, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, vaguement? Peu après avoir rencontré Catherine, je suis allé plusieurs fois chez ses parents. Courte habitait là-bas. Et par la suite, il s'est disputé avec son père et il a fini par partir. Comme son oncle, d'ailleurs. On peut dire qu'ils étaient unis par leur colère contre Bernard Vazal. Quels étaient les rapports entre Catherine et son cousin? Oh, ça, je sais pas trop. Je pense qu'ils s'aimaient bien, quelque chose qui remontait à leur enfance. Et Catherine, vous l'avez revue? Oui, je l'ai aperçue. Elle sortait de l'appartement. Je suis retourné devant l'immeuble aujourd'hui et je l'ai vue prendre un taxi avec ses valises. Elle allait à l'hôtel Frankheimerhof. Je me demande comment elle fait pour se payer ça. Elle était numéro 1 sur le testament. Je peux savoir qui vous êtes. Et qu'est-ce que vous voulez? Je suis détective. Je travaille sur l'affaire Vazal, un peu par hasard. Mais j'avoue qu'elle me fascine. Pourquoi vous me surveillez sans arrêt? Il paraît que vous avez hérité beaucoup d'argent dernièrement. Je ne vois pas en quoi ça vous regarde. Vous saviez que c'est vous qui alliez toucher la plus grosse part? Je veux dire, avant le meurtre. Vous voulez me faire chanter? Oh non, j'oserais jamais. C'est un mot que j'ai banni de mon vocabulaire. Qu'est-ce que vous savez? Eh bien, par exemple, que le jour du meurtre, vous êtes venu voir votre oncle à la villa, en compagnie de Peter Schröder. C'est bien de l'argent que vous voulez, c'est ça? Je vous donnerai 10 000 marks. Dans 9 jours. Après le procès de votre père, vous voulez dire? Ça n'a aucun rapport avec le procès. Alors donnez-le-moi tout de suite. Je ne toucherai pas l'héritage avant 9 jours. Comment ça se fait? 10 000 marks. Et vous ne revenez plus jamais me voir. On est bien d'accord? Mais avant de vous décider, vous ne devez pas en parler avec quelqu'un? C'est moi l'héritière. On est bien d'accord? Oui ou non? On est d'accord. Je reviendrai vous voir dans 2 jours. C'est moi, le détective privé est venu me voir. Il sait tout. Il veut me faire chanter. Allons-y.
a eu de la chance. 5 mm plus bas, c'était fini. La balle est entrée dans l'épaule gauche. Un peu plus, et c'était le cœur, mais en principe, il devrait s'en sortir. Merci. Au revoir. Tout ce que j'ai vu, c'est une voiture démarrée en trombe, tout feu éteint. Après, j'ai perdu connaissance. Je ne vois toujours pas quel rapport il peut y avoir entre l'agression contre M. Matula et la procédure qui a été entreprise contre M. Arndt Basal. Je vais y venir. Je demande à la cour de bien vouloir entendre le témoin suivant, l'officier de police Erwin Krug. Vous avez d'autres questions à poser à M. Matula ? Catherine Vasal vous a proposé la somme de 10 000 marques, vous avez entendu. J'ai bien dit 10 000 marques, simplement pour que vous la laissiez tranquille, oui ou non? Oui. Alors j'ose vous demander si vous ne l'auriez pas fait chanter. À propos de quoi? Pas d'autres questions. Faites entrer le témoin suivant. Pas moins de 3 coups de feu ont été tirés sur M. Vasal. Nous avons récupéré les projectiles qui sont ici. Quant à M. Matula, 2 balles le visaient, dont une qui est passée près du cœur. Les projectiles ont également été récupérés. Les analyses du laboratoire ont établi que les 5 balles provenaient d'une seule et même arme. Toujours d'après le laboratoire, il s'agit d'un pistolet de calibre 7,65. Ce pourrait être une arme de marque Walther PPK, ou bien un Beretta. Merci, Monsieur Krug. Vous avez d'autres questions? Vous pouvez disposer ou vous asseoir parmi l'assistance. Vous êtes policier, vous ne bénéficierez donc d'aucune indemnité pour être venu témoigner. Il est désormais clair que l'agression contre M. Matula est directement liée à la procédure engagée contre M. Vasal. L'accusé était en détention préventive lorsqu'une deuxième tentative de meurtre a été commise sur mon ami M. Matula avec une arme qui lui aurait servi pour tuer Arndt Vasal. Il est évident que mon client n'est pour rien dans cette affaire. Par contre, la personne qui a tiré sur Matula peut très bien avoir tiré sur Bernard Vasal. C'est possible, mais ce n'est pas prouvé. Une seule arme peut très bien servir à 2 différentes personnes. Je vous remercie de ces précisions, mais même sans vous, nous aurions émis cette hypothèse. J'en suis même convaincu. Mademoiselle Vasal, est-il exact que vous ayez proposé 10 000 marques à M. Matula? Non, je lui ai seulement dit de me laisser tranquille et après je l'ai mis à la porte. Comme je vous l'ai dit lorsque vous vous êtes présenté, vous n'êtes pas obligé de témoigner lors de ce procès. Néanmoins, vous avez déclaré que vous teniez à le faire. Vous pouvez encore changer d'avis. Alors? Je veux témoigner. Bien. Mais vous devrez dire toute la vérité. Et les peines encourues en cas de faux témoignage de votre part seront les mêmes que pour tout autre témoin. Je lui ai bien proposé de l'argent. Vous voulez parler un peu plus fort? Je lui ai bien proposé de l'argent. Pour quelle raison? Pour qu'il me laisse tranquille. Vous n'aviez rien à craindre de la part de M. Matula? Je ne sais pas, il... Quand il est arrivé, il m'a fait peur. D'ailleurs, il vous l'a dit, je crois. Il vous a fait peur? Vous voulez dire qu'il vous a menacé, physiquement? Savait-il quelque chose? Ou bien a-t-il insinué qu'il savait quelque chose et par la suite, vous lui auriez proposé de l'argent pour acheter son silence? Oui, il savait que je vivais avec mon cousin et moi, je n'avais pas du tout envie que ça se sache. Et pour vous, son silence à propos de cette liaison valait 10 000 marques alors que de toute façon, ça aurait fini par se savoir. Je viens d'hériter une fortune, alors... Puis-je interroger le témoin? Je vous en prie. Mademoiselle Vasal, après que M. Matula vous ait quitté à votre hôtel, qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Je me suis allongée et j'ai regardé un film qui passait à la télé, un homme et une femme.
Mais avant, vous n'avez appelé personne au téléphone? Je ne m'en souviens pas. L'ordinateur, lui, s'en souvient. Ils ont vraiment une mémoire étonnante, ces engins-là. Il nous a dit que vous aviez composé le 280700. Vous savez à qui il est, ce numéro? Eh bien, je vais vous le dire. C'est le numéro de Kurt Vasal au domicile de son père. Votre cousin est ressorti après avoir reçu cet appel. La femme de ménage peut nous le confirmer. Si Madame Hertz vous l'a dit, c'est que ça doit être vrai. Je n'ai pas de raison de le nier, en tout cas. Et qu'est-ce que vous avez fait ce soir-là? Je ne m'en souviens pas. Comme la cour l'a dit précédemment, vous n'êtes ni témoin ni accusé, mais partie civile, ce qui vous autorise à avoir quelques trous de mémoire. Mademoiselle Vasal, pendant 2 ans, vous avez vécu avec Peter Schroeder, qui était étudiant comme vous. Ce que je fais et avec qui je vis, ça ne regarde que moi. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Ce n'était pas une question. C'était un fait. Monsieur Schroeder est justement dans cette salle. Alors si la cour le juge nécessaire, je peux l'interroger. Catherine Vasal a donc vécu avec Peter Schroeder. C'était un couple harmonieux qui vivait heureux. Et puis, d'un seul coup, quelques jours après l'arrestation de son père, Catherine quitte son fiancé sans raison apparente, sans s'être disputée avec lui en tout cas. Mais elle a quand même daigné lui écrire la lettre que voici. Je m'en vais. Ne cherche pas à me retrouver. J'étais bien avec toi, mais c'est fini, Catherine. Alors je me pose une question, et peut-être que la cour se la posera aussi. Pourquoi Catherine Vasal a quitté son petit copain du jour au lendemain? Vous êtes en droit de vous poser la question, mais je dois vous dire que la cour ne s'intéresse pas à la vie amoureuse de Mademoiselle Vasal. Mademoiselle Vasal, est-il exact que vous avez rompu en très peu de temps avec Peter? C'est vrai. Ensuite, vous êtes allée avec Kurt. Vous le savez bien, non? Pouvez-vous nous dire ce qui vous a poussé à changer aussi vite de compagnon? Non, je ne veux pas vous le dire. Cher maître, votre acharnement à vouloir en savoir plus sur la vie amoureuse de cette jeune fille nous retarde, alors que ça n'a aucun rapport avec l'affaire qui nous réunit aujourd'hui. Ma conclusion à moi, c'est que la fille de l'accusé, ici présente, a eu le coup de foudre pour le fils de la victime. Un point, c'est tout. Je ne vois pas quelle autre conclusion on peut en tirer. Moi, j'en conclus que Mademoiselle Vasal n'est jamais tombée amoureuse de son cousin. Catherine Vasal n'a pas quitté son petit ami Peter Schroeder de son plein gré. Et enfin, elle n'est pas allée vivre chez son cousin de son plein gré. Qu'en pensez-vous, Catherine? Je vais répondre pour elle. Kurt Vasal, son cousin, lui a dit qu'il avait été le seul témoin du meurtre de son père. Ensuite, que s'il disait tout ce qu'il avait vu, le père de Catherine, l'accusé donc, pourrait bien finir sa vie derrière les barreaux. Mais qu'il était prêt à garder le silence si elle acceptait de venir habiter avec lui, de vivre avec lui, si elle acceptait de partager l'héritage, ou plutôt de lui transmettre l'héritage. J'ai raison, n'est-ce pas, Catherine? Catherine? Il m'a montré le pistolet et il m'a dit, t'aurais jamais dû le jeter dans les égouts. Si les flics le retrouvent, ils ne verront que tes empreintes. Monsieur Vasal, à l'époque où votre neveu vivait chez vous, est-ce que vous lui prêtiez votre voiture? Très souvent. Kurt savait-il que vous aviez une arme dans la boîte à gants? Bien sûr, il le savait! Maintenant, venons-en aux faits. Kurt Vasal arrive dans la villa de son père, sans doute pour venir prendre quelque chose dans sa chambre. Il voit la voiture de son oncle garée dans le jardin et il entend les deux frères se disputer. Il va chercher l'arme dans la voiture de l'accusé et il reste caché jusqu'à ce que son oncle ait quitté la villa. Ensuite, il tue son père. Oui, monsieur Vasal, vous étiez dans la villa pendant que l'accusé Arndt Vasal, arrivé depuis un moment, se disputait violemment avec son frère.
tête ou je saute. Je vais le faire. Quand tu as commencé ton exposé un peu scabreux, tu savais que ça allait déboucher sur la vérité? Non, et c'est ce qui me plaît dans ce métier. Tu commences à parler en regardant le témoin droit dans les yeux, et tu y vois apparaître les mots qu'il ne veut pas que tu dises. Ah. Et là, tu pièges.